This program is supported by the Romanian Cultural Institute. Boa noite a todos. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Quero agradecer à Biblioteca Metropolitana de Bucareste que nos emprestou generosamente a exposição criada pelo professor Vasilescu. E agradeço também à sua excelência, senhor embaixador da Romênia, Vasile Popovici, pelo seu apoio e a sua presença esta tarde, apesar da sua carregada agenda. O que é uma obra de arquitetura? O que é uma obra de arte? Proponho-vos um exercício de imaginação. Foi naqueles tempos terríveis em que os arquitetos do mundo inteiro estavam ensombrados, obnubilados pela versão corbusianista da arquitetura, que o professor arquiteto teve o coragem de falar aos alunos da Escola de Arquitetura Bucarestense sobre a arquitetura como a primeira das artes. E não como de uma máquina qualquer, produzida em milhares de cópias idênticas. Falava de arquitetura que propõe objetos únicos, resultados de uma abordagem cuidado e individualizado, a ter conta da individualidade das pessoas destinadas a desfrutar o objeto anteriormente referido. Há pouco tempo foi-lhe atribuído ao arquiteto professor Vasilescu o prémio Opera Omnia da Academia Romena. Festejamos então juntos com ela esta tarde. Festejamos com ela, ouvindo-o falar sobre a arquitetura de um príncipe da Renascença Romena, Constantin Brâncovan, mártir do cristianismo oriental. Ao criar esta exposição no ano do tricentenário do martírio do príncipe, o professor homenageava sempre a vontade de inovar, de renovar experiências espirituais própria ao melhor do ser humano. Obrigado, professor. Convido o professor Vasilescu a falar-nos sobre a exposição aqui presente. Excellence, Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs, je m'excuse de ne pas pouvoir parler votre langue, mais peut-être que notre latinité peut être, disons, comprise par mon discours, un discours qui, bien sûr, n'est pas un discours d'un littérate, mais un discours d'un architecte. On a l'habitude de dire « poeta nascitur, orator fit ». Peut-être même que « architectus nascitur et orator fit ». Donc, sans être, disons, un orateur, quoique depuis à peu près un demi-siècle, je suis le serviteur, pour dire ainsi, de l'école d'architecture de Bucarest, quoique je suis, disons, obligé de donner des cours, mais pas des cours d'histoire, quoique je fais en principal un sort d'histoire de l'architecture moderne. Et c'est une surprise, disons, de voir un tel genre d'architecture par quelqu'un qui a pour la modernité une sympathie, disons, particulière, parce que tout ce que vous voyez de fin du XVIIe, XVIIIe siècle, ce sont, disons, les œuvres d'une période qui, dans la réalité romaine,
a une position particulière. On a l'habitude de définir l'art, la civilisation, la culture roumaine par les mots d'un grand historien, Nicolae Iorga, qui avait l'habitude de dire que nous sommes le Byzance après Byzance, ou que nous sommes à l'est de l'ouest et à l'ouest de l'est. Et peut-être que c'est une chose relativement intéressante, le seul peuple d'origine latine qui appartient au mode orthodoxe, donc à l'église de Constantinople, pas à celle de Rome. Peut-être que c'est pour ça que tout ce que vous allez voir ici, ce sont des œuvres qui sont à l'intersection effective de la culture et de la civilisation occidentale et celle de l'Orient. Mais quel Orient? C'est l'Orient, c'est l'Empire romain de l'Orient qu'il faut jamais oublier, a survécu à la chute de Rome encore 1000 ans. C'est une chose importante. Bien sûr que après la chute pour nous tragique de Constantinople, grande partie des valeurs de la civilisation de la Rome de l'Orient a été diffusée dans tous les sens. Je sais, ma tout vent, c'était la formule qu'on utilisait une fois. Mais quelques éléments de cette culture et civilisation de Byzance se sont plantés dans les pays roumains. Et dans un des pays, parce que la Roumanie d'aujourd'hui est, disons, réalisée de la superposition de trois formes d'État et de culture, le monde de la Valachie, le monde de la Moldavie et le monde transylvane. C'est une question, disons, normale, claire, et bien sûr, on a des nuances. Et une de ces nuances, c'est pour la Valachie, le nom véritable, c'est la Tsara Romanesque, le pays des Roumains. Et pour ça, dans cette zone, bien sûr, la plus sudique, c'est pour ça que l'image que vous avez sur l'affiche à l'entrée, c'est une image avec le portrait de ce prince qui a eu une triste histoire à la fin de sa vie, et une carte où on peut voir toute cette zone danubienne, la zone où, effectivement, comme dans la Renaissance, ce genre de prince qui était du point de vue du sang, d'une noblesse particulière, il était, par la ligne paternelle, descendant d'une des plus vieilles familles princières romaines, et du point de vue maternel, elle était en cantacuzène, donc il descendait, pour dire ainsi, des empereurs de Byzance. Donc, quand on parle de Byzance après Byzance, on parle correctement. De 1688 jusqu'en 1814, il a eu un règne, disons, glorieux, et du point de vue politique, il a essayé, disons, de jouer une carte extrêmement intéressante. Entre qui? Entre les empires intéressés de cette zone riche de l'Europe. Entre l'Empire, bien sûr, ottoman, qui était, disons, avec une sorte de suzeraineté sous nous, entre l'Empire autrichien, qui était en expansion, et entre l'Empire russe, qui était tout à fait disposé à toucher le Danube pour arriver à Constantinople. Et il a appliqué une sorte, disons, de politique de genre divide et impera. Il a cherché à jouer cette carte entre les trois empires, et pour des longues années, peut-être les plus heureuses années de notre histoire, il a réussi à faire une chose similaire à ce qu'on a fait avec
deux siècles auparavant, dans l'Italie, le moment del Rinascimento, ou Rinascita, de la Renaissance. Il a réussi, disons, de prendre les éléments qui sont devenus des éléments d'ordre, disons, classique, dans le sens étymologique du mot. Une chose classique, c'est une chose qu'on doit la présenter dans une classe. Donc, une chose classique, c'est quelque chose qu'il faut transmettre pour les générations suivantes. Et déjà, le monde de Byzance avait des éléments d'une classicité claire. Et surtout, en ce qui concerne l'architecture des églises. Une église orthodoxe est différente de tous les points de vue d'une église catholique, quoique, de point de vue, disons, strictement d'ordre théologique, la différence est insignifiante. C'est une question, disons, d'une importance égale à peu près au zéro en ce qui concerne le credo. Donc, mais de point de vue spatial, une église orthodoxe ne peut fonctionner que seulement si elle respecte une hiérarchie des éléments formels qui sont transformés dans des éléments d'ordre spatial. Une église qui a, disons, une première zone, une pro-naos, qui a une importance liturgique particulière, une fois avait le droit seulement. Disons, c'était la linea ultima où les femmes avaient le droit d'entrer dans une église. Mais tout passe, tout casse, tout lasse. Et après ça, le naos, donc le grand espace, qui est toujours dominé par le pantocrator, et l'autel, qui au contraire des églises catholiques, c'est un autel couvert, pour dire ainsi, par un élément et seulement des portes d'une valeur, disons, symbolique particulière font ce genre de liaison entre l'espace dominé par le Christ Pantocrator et l'autel proprement dit. Sans ces éléments. Et dans l'autel, obligatoirement, on a deux pièces essentielles qui ont un nom horrible pour les oreilles. Qui ne sont pas de spécialité, le diaconicon et le proscomidiaire. Donc, sans ces éléments, une église orthodoxe ne peut pas fonctionner. Et c'est pour ça qu'on peut parler d'un sort, disons, de restriction de la liberté de création pour respecter, car orthodoxie signifie non, la vraie ligne droite. Mais cette forme, disons, de hiérarchisation des espaces, cette forme de réaliser d'œuvres d'architecture qui respectent parfaitement la tradition, a commencé pendant cette époque qui, pour l'Occident, était une époque post rinascimentale, c'est une époque où déjà l'époque des Lumières était, disons, présente, a commencé, disons, ce genre d'architecture de l'Église orientale se transformer de point de vue compositionnel dans le plan et dans l'espace avec les règles, disons, classiques qui ont été redécouverts pendant la Renaissance, parce que ça veut dire quoi, Renaissance? Renaître quoi? Les formes de l'Antiquité. Et c'est pour la première fois dans l'Église orthodoxe, pas seulement dans l'Église romaine, mais dans toute l'orthodoxie, qu'on a commencé, disons, de faire des innovations d'ordre planimétrique et volumétrique, et on a avancé ce genre de combinaison entre les valeurs de l'Occident et les valeurs de l'Orient. C'est ainsi qu'on peut définir l'art de ce prince, Brankovan, qui a eu, comme je dis, une des plus longues périodes de règne. Et
Il a été décapité dans un spectacle horrible à Constantinople, le jour de la Sainte Marie de 1714, exactement le jour de son anniversaire, avec toute sa famille. Tous les garçons ont été décapités avec lui, et c'est pour ça que notre Église orthodoxe l'a transformé depuis quelques années dans un centre grâce à ce martyrium à quel il a été soumis. Mais ce qui reste, ce n'est pas seulement cette image de martyr pour la chrétienté, mais l'architecture, comme vous le savez bien, ce n'est pas facile même à définir qu'est-ce que ça veut dire l'architecture, a une sorte de pérennité. On peut définir, disons, l'architecture par des mots discrètement plagiés par un des parents de l'architecture moderne, Le Corbusier, qui disait que l'architecture, c'est le jeu savant des volumes dans la lumière et dans l'ombre. La phrase appartient au grand poète romantique allemand, Novalis. Et on a une autre belle définition, et comme vous le savez, quand on a deux définitions pour une même chose, ça veut dire qu'aucune de ces définitions n'est parfaite. D'une des grands rationalistes du commencement du XXe siècle, Adolf Loos, qui disait que l'architecture, c'est seulement l'art de bâtir, et l'architecte, c'est seulement un bâtisseur, mais qui savait la langue latine. C'est la petite nuance. Donc, vous pouvez comprendre ce genre, disons, d'art de construire en regardant, disons, quelques pièces qui sont, disons, réalisées même avant que lui est devenu prince régnant de la Valachie. Des pièces intéressant de multiples formes, parce que pour la première fois dans l'architecture orthodoxe, la sculpture a commencé à avoir une présence vraie. Il ne faut jamais me faire une image sculptée, on dit en principe, et c'est pour ça que, au contraire de l'Église catholique, la sculpture n'est pas, la sculpture anthropomorphe n'est pas présente dans l'art de l'Orient. Mais déjà, sous l'influence, disons, du monde occidental, les princes, à ce temps-là, avaient l'habitude de se perfectionner, de continuer leurs études à Padova ou à Venise. Donc, ils étaient bien touchés par l'élément post-renaissantiste. Et c'est pour ça que même les artistes ont commencé à changer dans cet esprit, disons, de Renaissance, les valeurs d'ordre sculpturel. Même en ce qui concerne la peinture, qui est une peinture qui doit respecter dans le monde orthodoxe avec une strictesse extraordinaire les soi-disant Herminies de Athos, dont des éléments où on dit avec une clarité parfaite, le sang X doit être représenté comme ça, avec la main comme ça, etc., etc. Et on n'avait pas le droit de changer rien. Mais déjà, dans cette période, les choses se sont transformées et la peinture, pour la première fois dans notre art, a commencé, disons, pas à être transformée dans un art laïque, mais elle est déjà, disons, dans un sort de liaison entre le volume antérieur de l'Église, et ce n'était pas seulement une histoire anecdotique des événements ou des personnages de l'Église. On peut dire qu'on fait un sort d'art pour art, dans le sens supérieur du mot. Les images sont similaires, mais bien différente de ce qu'on faisait, disons, dans la peinture de type constantinopolitaine et après dans la peinture de
disons, de l'orthodoxie de Grèce ou des pays soudanubiennes, comme le monde serbe, etc. Et c'est pour ça que vous pouvez voir cette forme, qui sont, de point de vue architectural, d'une perfection géométrique parfaite, parce que à peu près toutes les églises sont réalisées avec un grand tour qui est sous le naos et qui obligatoirement a dans le centre le Christ Pantocrator, le juge suprême. Et le problème, c'est, disons, de passer d'un plan carré à un plan circulaire. Le carré de naos et la zone circulaire de la tour. Et la réalisation est une réinterprétation d'une technique antique romaine qui faisait, disons, cette transition par ces éléments qui ont, dans le langage d'architecture, un mot, disons, amusant, des arcs en plein cintre qui sont après reliés par les triangles sphériques ou par des pendentifs. Souvent, si on veut bien comprendre de quoi s'agit-il dans un tel genre d'espace, il faut voir une ruine, parce qu'une ruine est semblable, comme dans le monde de la médecine, à un écorché. Ce n'est pas un cadavre, c'est une autre chose. Et quand je vous disais que c'est une chose obligatoire d'avoir une zone d'entrée, ici c'était dans l'église primaire, la zone pour ceux qui n'étaient pas baptisés, cette zone, le pro-naos, qui était pour les femmes, et après ça le naos, la zone centrale et l'autel, avec ces deux zones qui s'appellent, comme je vous avais dit, diaconikon et proskomidière. Et on peut voir, disons, des variations sur ce thème, mais des variations, disons, au niveau quasi-musical. Et vous voyez ici comme les éléments d'ordre classique sont interprétés dans la zone de sculpture. Et les églises sont, disons, des dimensions modérées jusqu'à des dimensions, disons, plus appréciables. Ça dépend de si l'église est réalisée par un prince ou si l'église est réalisée par d'autres familles. Bien sûr que les monastères ont été réalisés dans cette période, et des monastères qui respectaient de nouveau une platimétrie de plus en plus géométrique, une planimétrie d'une valeur, disons, particulière. D'habitude, on fait à l'entrée, dans l'intérieur, le portrait qui s'appelle portrait votif, le portrait des princes fondateurs, une chose d'une importance particulière pour les restaurateurs, cette image qui est l'image de l'église au moment, disons, où on a réalisé la peinture. Et on peut refaire, si par des miracles on voit de telles choses, on peut refaire une église grâce à ce genre de peinture. Vous pouvez voir souvent dans l'art, disons, de sculpture, souvent l'aigle de la Valachie et souvent l'aigle bicéphale du Byzance. Même du point de vue plastique, la rigidité et la peinture hiératique normale byzantine a commencé à, avec des profonds guillemets, à s'humaniser un tout petit peu. Les formes, les rapports entre les volumes sont, disons, d'une finesse particulière. Seulement dans une sorte de 25 ans, on a touché à peu près l'apogée, mais pas seulement en ce qui concerne l'architecture religieuse, mais même en ce qui concerne la soi-disant architecture civile,
avec des ondes d'une finesse particulière, ce genre de loggia, cette forme de liaison entre l'intérieur et entre l'extérieur que vous voyez ici. Et d'ici, il n'a été qu'un seul pas de réaliser ce que vous voyez ici. Même le mot palatio, c'est pour la première fois que, avec ces grandes maisons, a fait l'apparition dans la langue roumaine. Et vous pouvez voir, disons, une des merveilles qui, par un miracle, a été sauvée, ce palais, les alentours de Bucarest, avec, sûr et certain, un sort d'influence de Venise, mais pas de Venise, del Terra Veneto, de la zone vénitienne, de la terra ferma, avec un sort, disons, de comprendre la relation entre l'intérieur et entre l'extérieur d'une finesse particulière. Même l'art décoratif de la sculpture a été d'une qualité, on peut dire, sans pareil. Donc, ce sont des éléments qui ont, disons, une valeur particulière dans notre art et, pour voir, disons, cette forme de humanisation de la peinture qui était, comme je vous avais dit, sûr et certain, une peinture obligatoire qui doit respecter la tradition byzantine, mais déjà avec des éléments d'une autre finesse. Et souvent, dans toutes les fondations du prince, on a les images, et ce sont pour la première fois des images de portraits. Donc, celui qui est portraitisé n'est pas l'idée du prince, mais c'est le visage du prince. C'est pour la première fois, si vous avez, disons, l'occasion de penser aux grandes représentations de Ramsès avec cette figure splendide apollonique, et si on voit le Ramsès en chair et os comme momie, on ne trouve rien, aucun point de liaison entre la réalité figurative et la réalité de la représentation artistique. Et cette idée s'est perpétuée seulement dans le monde byzantin, c'est dans ce moment où on peut parler, disons, des portraits effectifs. Souvent, les choses sont, comme je vous dis, d'une géométrie absolument parfaite de tous les points de vue. Et s'il y a dans cette exposition, disons, quelques panneaux avec une véritable valeur, ce sont ce que vous voyez ici et de l'autre côté. C'est le plus grand monastère qu'on a réalisé chez nous. Et un crime sans pareil s'est produit dans les années 80, où la folie démolatrice a été sans pareil. Et ce que vous voyez, c'est le monastère de Văcărești. Et seulement ce que vous voyez ici, comme des photos réalisées, je dois vous le dire, avec mon propre sang, c'est seulement ce que ça a resté de la plus grande réalisation d'ordre architectural depuis la chute de Constantinople, un monastère gigantesque. Malheureusement, ce que vous voyez ici, c'est avant la démolition, un tremblement de terre terrible de 1802 a détruit la grande tour qui était la plus grande réalisée dans le monde néo-byzantin. De tout ce que vous voyez, ne reste rien. Et comme vous voyez, tout est d'une perfection géométrique parfaite. La grande église, tous les éléments obligatoires d'un monastère. Il y a un autre enceinte ici, très grand, tout était dominé par ce genre de tour que vous la trouvez ici. Malheureusement, tout est perdu. Et notre prince,
qui a eu cette histoire tragique, a réalisé bien sûr d'autres choses, une des plus grandes églises de Bucarest avec les dédiés à Saint-Georges. L'importance de cette église est particulière car après l'exécution de Constantinople, son corps et la tête ont été portés grâce à la corruption, disons, des Turcs, ont été portés à Bucarest et il a été enterré ici, dans cette église, qui est une église de large dimension et d'une importance particulière. Une importance que vous pouvez voir dans d'autres œuvres de Bucarest, des choses qui sont, disons, présentes dans ceux qui connaissent notre cité, la soi-disant Biserica Colsei, et ici c'est un autre monastère, toujours au centre de Bucarest, mais qui a été à la tangence, malheureusement, du soi-disant boulevard de la victoire du socialisme, dont la création du nouveau centre politico-administratif de Ceausescu, et c'est pour ça qu'une des plus précieuses zones du monastère a été effectivement anéantie pour réaliser ce que vous voyez. Et c'est une autre église qui a eu la chance de survivre. Elle était près du palais, l'ex-palais royal qui est devenu palais de la République et qui était vis-à-vis de l'ex-ministère de l'Intérieur qui est devenu dans la période communiste le comité central du parti. Et bien sûr, on pensait que cette église a la chance d'être totalement éliminée parce qu'elle était, comme vous voyez, dans un profond contraste de tous les points de vue et même chromatique. Et par miracle, un des grands dirigeants soviétiques qui a vu, disons, le projet de restructuration de cette zone du palais royal, dit extraordinairement. Et vous savez, dit Gheorghe Udej, même Kremlin a été un monastère. Et c'est pour ça que cette merveille a survécu, par un jeu de mots. Donc, vous pouvez voir une art aulique à ce niveau-là, et pouvoir voir ici des choses pareilles, mais à une autre échelle, qui ne sont pas, disons, d'œuvres essentielles, mais qui ont, dans notre histoire, une valeur particulière quand même. Quand les dimensions ne sont pas de grandes dimensions, on est obligé, disons, de concentrer tout l'effort créateur et de tous les points de vue, tout ce que vous voyez ici, appartient à ce moment essentiel de la culture et de la civilisation roumaine. Et je vous remercie pour l'honneur que vous m'avez fait d'être ici présent. Et si vous avez, disons, des questions et si je suis capable de vous répondre, je suis à votre dispo. Merci.